Samuel. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander d'être à nos côtés, d'être toujours là pour nous réconforter, pour nous tenir par la main, pour essuyer nos larmes. Si nous ne sommes pas en vie, heureux, si nous ne sommes pas dans la joie, Seigneur, nous ne serons pas portés devant toi une adoration digne. Nous ne saurons pas te glorifier. C'est pour cette raison qu'au cœur de cette disparition qui provoque de la souffrance, de la tristesse, nous voulons te demander, Seigneur, d'être là. Par le biais de ton esprit qui nous réconforte et qui nous guide. Nous voulons te présenter en même temps notre communauté dans ses diverses composantes. Des membres qui sont avec nous, qui participent avec nous, mais qui peuvent être empêchés pour des raisons diverses. Sois avec chacun et chacune, là où ils se trouvent. Permets, Seigneur, que tous ensemble dans nos maisons, que la joie soit présente, au-delà de toutes les souffrances que nous rencontrons au niveau social ici en France, afin que heureux, nous venions. À nouveau devant toi. Nous te présentons notre église, l'église presbytérienne camerounaise. Une église en proie à des interrogations, à des doutes au niveau de la confiance que les différents membres doivent avoir avec toi. Permets, Seigneur, et enseigne que ce n'est pas auprès des idoles ou de quelque autre Dieu que ce soit l'argent. Que ce soit les vices qui nous appellent, peuvent nous aider à être des serviteurs ou alors des enfants dignes de toi. Viens, Seigneur, procéder à un nouvel enseignement par le biais de ton esprit. Visite
chaque membre de l'église presbytérienne où qu'il puisse se trouver, afin que nous revenions à la source de ta parole. Nous voulons, Seigneur, te présenter la société dans laquelle nous vivons. Une société où les inégalités s'affirment. Une société où l'intelligence que tu as donnée à l'être que tu as créé, nous, est utilisée pour des fins de plus en plus diaboliques qui créent la souffrance, qui créent la tristesse. Seigneur, nous utilisons notre intelligence, nous la démultiplions pour créer des machines qui provoquent la mort. Seigneur notre Dieu, viens visiter cette société à travers les dirigeants, à travers ceux-là à qui tu as donné cette intelligence pour rappeler que toi seul as le droit de vie et de mort et personne d'autre sur les êtres humains ici-bas. Nous voulons ainsi nous projeter avec toi vers les États-Unis où les inégalités raciales s'affirment, où l'on tue d'autres citoyens à cause de la couleur de la peau, sans raison. Seigneur, viens visiter les États-Unis comme tu l'as fait pour l'Afrique du Sud à un moment donné, pour rappeler que les êtres humains sont égaux devant toi. Rouge est le sang des Noirs américains comme des Blancs américains. Rouge est le sang des Noirs. Rouge est le sang de tout être ici, ici-bas. Viens, Seigneur, appeler et rappeler les uns et les autres à la raison. Nous voulons te présenter ici les mères célibataires. Nous voulons te présenter les veuves. Nous voulons te présenter ici les indigents, ceux qui vivent des difficultés au quotidien. Seigneur, sois celui-là qui apporte des solutions, qui apporte des réponses pour les unes, les uns et les autres. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans les prisons à ce jour, injustement accusés, et ceux qui y sont parce qu'ils ont commis des actes indignes. Sois celui-là qui enseigne et leur rend visite pour ramener sur le chemin. Prépare ceux qui doivent sortir des prisons à un retour, à une réinsertion dans la société. Permets, Seigneur, que chacun d'entre nous ait sa pitance, son gagne-pain, afin que libérés ici des soucis de la chair, nous puissions nous consacrer à notre adoration. Nous te prions pour la parole qui va être lue pour ce jour. Nous te prions pour celle que tu as choisie pour nous donner ici les mystères de ta parole. Viens, Seigneur, sois avec elle, sois également avec nous, prépare nos cœurs à recevoir cette parole. Nous t'avons prié et nous attendons que tu nous exauces au nom de ton Fils Jésus-Christ, mort sur la croix, pour nous racheter auprès de toi. Amen. Amen.